avons fait le choix du parking cathédrale parce que sur les 5 étages souterrains, il y aura au moins 1 à 2 étages qui seront dédiés, s'ils le souhaitent bien sûr, aux résidents s'ils veulent prendre un abonnement à l'année, voire même acheter un parking. Cela implique évidemment des manques en termes de stationnement et c'est une des raisons pour laquelle, d'un commun accord, nous avons décidé de proposer au marché des producteurs qui se tenait sur les allées du Consul du Puy tous les samedis matins, de déménager sur les allées de l'Empereur et ce à partir du samedi qui arrive. Vous savez que les commerçants non sédentaires sont sur l'esplanade des Fontaines depuis le mois de février et les producteurs avaient souhaité rester sous les platanes des allées du Consul du Puy. Aujourd'hui, tout le monde va être rassemblé. Ce sera mieux pour les consommateurs, ce sera mieux pour les commerçants du centre-ville et j'espère que les producteurs finalement s'en trouveront ravis eux aussi. J'ai accédé à une demande forte des commerçants du centre-ville qui souhaitaient que la ville puisse offrir 2 heures gratuites tous les samedis après-midi. Donc, c'est une négociation en cours avec Cuparc, délégataire de ces ouvrages, aussi bien pour les allées du Consul du Puy, mais également pour l'esplanade des Fontaines. Donc, je pense qu'au travers de ces efforts, de la navette gratuite que nous avons mise en place également pour permettre à des gens qui sont du côté de Sapia Carrera de laisser leur voiture sur le parking du Racing, rue du Bassorgue-Lafond, il y a 150 places, et à l'arrière du stade du Solou, toujours pareil, rue du Bassorgue-Lafond, où il y a une cinquantaine de places de plus. Nous libérons ainsi des places supplémentaires et surtout nous permettons aux gens de stationner gratuitement. C'est quand même un plus qui se rajoute à tous les parkings de covoiturage déjà en place depuis très longtemps, au Sodre, route de Toulouse, route de Cassès-Sarrazin, la Mémo, Sapiac. Toutes ces zones de parking covoiturage sont aussi des parkings de délestage où vous pouvez laisser votre voiture totalement gratuitement et prendre les lignes de bus régulières vers le centre-ville. Voilà, tout cela demande un peu de patience et c'est pour permettre d'être, disons, plus patient que nous mettons en mesure ces mesures que je viens de vous énoncer qui vont être donc mises en œuvre. Et je compte sur vous tous pour les relayer et surtout pour en profiter pour que notre beau cœur de ville batte plus fort que jamais.